bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live, voilà c'est bon, ça apparaît, tout va bien, et sur ce nouveau jeu qu'on va découvrir ce soir, Nobody Wants to Die, un jeu narratif, on peut dire, de type enquête, thriller, FPS, ça fait pas mal de choses, qui se passe dans un New York un peu dystopique, vous allez voir, c'est sous forme de roman noir, avec donc un humour et un côté flic un peu paumé qui est assez bien amené, je trouve. C'est un jeu qui nous est proposé par le partenariat Deep Silver qu'on a, donc je les remercie beaucoup de nous permettre de vous le présenter. Il se joue à la manette, il est intégralement en français, bon sauf les voix bien entendu, ça ne change pas trop, mais il y a des sous-titres et tout de très bonne qualité. Il se joue en solo, ce qui est assez classique dans ce genre de jeu. Et il est au prix de 25,99€, mais il y a une petite promo pour ces quelques jours de sortie, que je vous invite à en profiter. Si vous le souhaitez, salut Zikino, bienvenue sur le live, hein, j'espère que ça va bien. Il y a un petit côté Bioshock sur ce jeu. J'ai pas énormément joué, mais le peu que j'ai pu commencer à jouer pour faire des tests techniques et tout, et que j'ai vu sur les trailers, il y a un côté Bioshock qui est assez sympathique, je trouve, qui m'a l'air fort prometteur. On va se lancer sur une nouvelle partie. Alors, c'est totalement narratif, donc il faut s'attendre à des spoils, même s'il y a plusieurs manières d'aborder un peu tous les tableaux. Ils nous ont conseillé chez Deep Silver de nous arrêter à partir d'un certain point si on voulait pas trop révéler l'intrigue, donc on verra si on l'atteint ou pas dans ce live. Il fait trop chaud, Zikino, bah écoute, je viens juste d'allumer mon petit ventilateur, moi. Pour être un petit peu plus confort pendant cette session, parce que en plus je pense que là mon PC va un peu chauffer. Et salut Akat, hein, bienvenue sur le live. On va se lancer sur une nouvelle partie. Alors on va supprimer ça parce que j'avais de toute façon rien fait dessus. C'est parti. Je vous laisse la petite intro qui est sympathique. Sympathique as fuck, on pourrait dire. Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality. Not anymore. Now there's Icarat. A technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Eh oui. Now, carrément. When sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. Ça me fait complètement penser à ça, Kat. Tu vas voir que c'est pas tout à fait. Ça part très vite en sucette. Pas chier, financial. J'adore le... Un huissier saisira votre corps pour le vendre aux enchères. Hop là, nous voilà en jeu. Rachel avec nous. Alors, pour ceux qui ne jouent pas sur un clavier QWERTY, 1 et 2, c'est des choix qu'on peut prendre au pavé numérique. Sinon, il faudra remapper vos touches. Et salut Mazamara, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. On va lui dire d'observer le film, c'est important. This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Allez, vu qu'Akat t'es là, on va faire la première réponse. We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Non, on ne va pas répondre à cette petite provocation. James, would you love me if I had an ugly shell? Or a shell like that one? Would I love you if you had a guy's shell?
That's your question? Or if I didn't have a shell at all. Je trouve que c'est très bien réussi la, le ressenti de la douleur. Ah, il n'y a plus personne. All units code 305. Prohibition violation at intersection of Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions. Despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Alors ouais, il y a tout un tas de petits designs rétro où on se dit il y a peut-être quelque chose de pas tout à fait normal quand même. Je vais te montrer à 4, il y a un système de taille des sous-titres normalement. Non, taille du réticule. Non, il y a pas taille des sous-titres. Donc malheureusement pas de taille des sous-titres. Je vais augmenter un petit peu le son des voix par contre. Parce que j'avais baissé parce que c'était assez fort dans le menu, mais. Donc là on peut interagir avec nos différents trucs. Utiliser les essuie-glaces, faisons ça. Non oui, je pense que c'est pas mal qu'on s'occupe des essuie-glaces là. Alors, on va avoir des interactions avec les objets hein, de cette manière-là. Ah, les petites, le petit smiley sur les pilules. Parfait. Examiner. You think of a bigger kick. C'est censé être de l'ambrosia. Ok, très bien. Là, on a quoi? Une petite oreillette. Donc déjà, on sent qu'on n'est pas dans les années 60. Et pour l'instant, il n'y a rien. Sullivan, save my ass more than once. Le Sullivan 2030. Si les pilules ont un sourire, c'est que c'est bon pour la santé. Tout à fait. Très bon état d'esprit. Sonnerie infernale, quoi. Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, chief? I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Did you hear this? Fuck! What are you? Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon? That's just got him convinced. You're no fucking medical miracle, James. Allez, en mémoire du bon vieux temps, commissaire. Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. I know I've got your back too. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Why do I feel like there's a butt coming? Because you're fucking difficult. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So, I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Le jeu est un petit peu plus en galère quand je suis en train de streamer et d'enregistrer en même temps, donc je vais baisser un peu. Petit chou la résolution et augmenter un petit chou la sensibilité de la souris. Voilà. Ah oui, c'est un peu plus fluide là déjà. Alors, je peux peut-être du coup rebaisser la sensibilité de la souris. Tac. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Notre petite bouteille de moonshine avec une magnifique numéro de preuve dessus. Là, on peut examiner.
more smugglers getting caught. Lucky for me. Ah, l'effet du liquide est pas mal, hein. Ici, on a un journal à la place de notre visiblement femme qui n'est plus là. Edward Green sponsorise l'exposition de Central Park. Ce vendredi, des trésors commémorant l'héritage du vieux continent investiront Central Park. Prise, adoption ou veto, le Congrès refuse de retoquer un amendement controversé qui abaisserait l'âge limite d'exonération de l'abonnement corporel de 21 à 20 ans. Scandale à la télévision, Dragster quitte des jours et des vies éternelles, le secret déchirant de cette décision, un scandale moral et un corps dans lequel il ne se trouve pas à son aise. C'est vrai que c'est bizarre comme... comme truc... ici... et c'est juste derrière... Ah oui, parce que du coup, si je me tourne dans le bon sens... pour le lire, on a la crise là, ok, très bien. Et il pleut. Le Moonshine suit la gravité, pas les pilules, mais elle sourit et c'est déjà bien. Tout à fait. C'est très vrai. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique! Congratulations on your new body! Qu'il puisse vous servir pendant quelques années. Another 100 fucking years of work in taxes. Great. Ah la vache. 100 ans... 100 ans de service encore. Nickel. La petite figurine fort sympathique. Bon, la plus indécrottable tête de mule que j'ai jamais connue. Coach TH. 2231 quand même. Hein. Notre modèle de pistolet a 200 ans. Parfait. Bah bon JDR A4. Merci beaucoup d'être passé. N'hésite pas à profiter des petites promos si tu veux te le procurer pendant qu'il est sorti. C'est Nobody Wants to Die. Pourquoi j'ai une vieille voiture? Bah rien, justement, je crois qu'il est temps de sortir de notre vieille voiture. What the... fucking lock. Ah! Elle est peut-être pas si vieille en fait. Il y a un cinéma dans l'eau. Exactement. Like any other exit from paradise. Exactement. James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James. Sarah Cott. Sarah. James Kara. Let me go pull some strings. Back at it. La question? Fuck that. No way. Forget it, Chief. Look, I said what I said. You're a goddamn departmental legend. Legend, huh? Well, okay. More like cautionary tale. Especially after you fucked up half the city with that train. The case is closed. We were unlucky. That's it. Of course. Guys like you get away with bloody murder. Guys like me? What's that supposed to mean? As if you don't know. As if your MLB career makes no difference at all. Hey, I've carried a fucking badge for this city since before your parents were born. Okay, I'm back. Best friends now, right? Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Kara. James, no need for brag. You know what they say. Show, don't tell. Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Okay, ça y est, on peut examiner un peu. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Last place they play good old-fashioned crime stories. Yeah, you like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff, go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Est-ce qu'on va conduire la voiture? Parce que j'avoue que je me le sens pas trop là. Dommage, on n'a pas pu regarder les autres trucs. Je suis tombé direct sur le bureau de poste. J'ai pas fait gaffe. Thank you.
Having a goal, any goal, is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms. The memories. I'm 120 years old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. Le jeu est quand même super beau, je trouve. Mais bon, vous avez vu qu'il m'avait mis en épique par défaut, et que ça tenait quand même plutôt bien, donc je pense pas qu'il soit hyper consommateur non plus. Si vous avez un PC à peu près correct, ça peut le faire. Putain, l'insertion dans le trafic volant là, sous la flotte en plus, quel enfer. Les vieux essuie-glaces à deux ronds des années 60, voire des années 30, limite. Oh mec, on se détend là, hein. Ça suffit comme ça de passer devant. Pas klaxonné. Look, James, we got off on the wrong foot. Pas klaxonné. Hey, people love me. That's just how it is. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Who? Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Sorry, can't hear you over all the noise. Great. Real mature. On va pas boire, on va essayer de pas jouer non plus le gros lourd. On a un choix verrouillé, tiens, intéressant. On est professionnel. On est professionnel. Magnifique le parking en volant. Et c'est un petit pneumatique de transfert, semblerait-il. New York encore plus grande qu'avant. Il n'y a rien d'autre à voir s'il avait un truc. The past 50 years, prices for B and C class bodies have increased by 240%. It's not an auction anymore. It's some fucking exclusive bidding club. Classique, la technologie qui vient pour les riches. Hein. Still have to advertise. I'd say that tells you pretty much everything you need to know. No matter how much time each of us has, haste is baked into the city's DNA. Il a l'air d'être vraiment le mec cynique des romans noirs classiques. Alors tu disais, il y avait écrit Remember to send, tout simplement. Tout simplement. C'est quand même classe comme voiture. Putain, ils sont partout quoi. Ten
enter your full name and shipping code. James Kara, 77112P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116739. Thanks. 116739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it. Par contre, tu te dis que elle est numéro 116 000 et qu'il est 984, ça fait effectivement quelques temps qu'il est sur le marché, le mec. Hein. Et salut Galen, ta gueule toi, je ramasse mon colis. Vas-y, sors ton flingue. One second, I have to move my car. Alors, on va aller se garer ailleurs. C'est parti. Juste pour le plaisir de voir la voiture bouger. On s'entend que ça n'a rien à voir avec Shift 87 en termes de graphique. Ok, c'est posé dans un coin. Parfait. Alors, his name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh yeah, I heard about that. Let me look it up. Yep, supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast then. Okay, Green, Edward. Oh shit. Sarah, you okay? Shit. Oh, I'm reading up on Green. La traduction est un petit peu plus polie que l'original. Relax. This will be a routine job. Routine my ass. What are we supposed to do? Alors, quelle est la mission? Get in, pull the Icarite, and deliver to the Consciousness Transmission Center. Okay. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarite's just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? It's a favor for Chief Steiner. What's Chief Steiner got to do with Edward Green? Guys like Green have been shaking down the city for 200 years. Last thing they want is the wrong people putting hands on their Icarite. That's where we slide in. Play this right, we'll come off like heroes. Well, heroes to the right people, anyway. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? Fifth Avenue, top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Wanna tag along? No. I'm not authorized for field work. Ah, on a déverrouillé un dialogue. You don't leave the house much, do you? What kind of question is that? I'm just connecting dots. You haven't seen the ad that is literally everywhere, and you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. On l'a débloqué parce qu'on a regardé le terrain en hauteur. On respecte sa vie privée. You're right, not my business. I'll respect your space. Thanks. I appreciate it. Et salut Pascal, bienvenue sur le live. Ça tombe bien, il n'y a pas de nain ce soir. Alright, I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. Ça explose ou non, ça, c'est James, destruction gentille. I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally? Ah oui, c'est du FPS, effectivement, Pascal, ça peut être gênant, ça, désolé, mais... I'll ping you when I get there.
car out. Essayer de pas trop bouger, mais j'ai pas forcément le contrôle. Ah, Rachel est de retour. Ah la vache, s'il doit prendre une pilule toutes les 20 minutes, ça va être compliqué. Hein. J'y réfléchirai, Pascal, si j'en croise un. Mais vu l'ambiance du jeu, je pense qu'on est plutôt sur les corps parfaits. Il n'y aura pas de nains, ni d'elfes, ni de trucs du genre. I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Ça, c'est ce qu'ils ont dans le cerveau pour pouvoir se réincarner. Parfait. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Et alors? Ça ressemblait vaguement à un personnage, mais... At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. J'adore le concept. Il y a trop d'oxygène. Fumons une clope. Ok, alors du coup, il y a quand même l'air d'avoir quelques cendres ou affiliés. Shit. James, camera. Bah, tu vas pas être déçu, meuf. Hein. This was supposed to be an accident. Fuckers hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like last? Mm-hmm. Let's pull the Icarite and get out of here. Alors, appuyez sur Caps pour passer en mode indice. Ah, et ça me consomme de la batterie, semblerait-il. Ok, très bien. There was a pool of lecithin gel underneath the floor, feeding that big tree. Whole thing went up like a stick of dynamite. Ça m'a l'air un peu bizarre comme suicide, quoi. Ok, la batterie se recharge toute seule, ça c'est cool. On va pouvoir. He really got cooked, didn't he? Well, I'm still gonna need a photo for identification. Oh. Parfait. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. Mm. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. I have an idea. And you won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Icarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Alors, reconstruire Green. Alors du coup, on a quoi? Le reconstructeur, ranger notre gadget. Waouh. Classe. Alors, vous pouvez reconstruire des fragments de l'événement en fonction des informations collectées. Maintenez clic quand la barre de gauche est active. Clic droit quand la barre de droite est active. Les deux quand les barres sont toutes actives, toutes les deux en même temps. D'accord, très bien. Alors, le reconstructeur vous permet de remonter le temps. Mais oui. Sa zone jaune indique le moment où quelque chose d'important s'est produit. Maintenez Q pour déplacer l'indicateur. Alors du coup, ça doit être A chez moi. Et E pour revenir en arrière. D'accord, très bien. Ah non, c'est resté Q. Pourtant, je pensais que j'avais changé ça. Retour arrière. Bah oui, non. Je suis en QWERTY. Non, je suis absolument pas en QWERTY. D'accord, il considère quand même que c'est cool, mais sans être cool. You seen this? What? Maintenez E pour déplacer l'indicateur vers la zone jaune du reconstructeur. Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull a Icarite and let's go.
Ok, donc on est vraiment dans une zone d'enquête. Hein. Vachement reconstruit là. The Icarite's melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just... I mean, fix it. Just reconstruct... Sarah, listen. I've seen this before. Up close. Take a few deep breaths. Dommage, avec le temps qui s'écoule pour répondre, on n'a pas forcément le temps d'attendre toutes les voix. We have to. Anything beyond that, it's... I'm sorry. Sarah, relax. You're not doing anything. Got it? You're not even here. If only it were that simple. Omega code 112358. Suspected murder. Ah, du coup, mes touches ont sauté. Putain. Bordel. Avancer. Aller à gauche. C'est que ce bordel, ça marchait très bien il y a deux secondes. Oui, il reconnaît ça comme un... Passer en QWERTY, c'est pas grave. Pas très cher, voilà. Sauf que du coup, il faut que je remette un W pour avancer. Voilà, on va s'en sortir. Retour arrière, c'est Q, ok. Excusez-moi, les petits problèmes techniques. Donc une substance inconnue a fondu à l'intérieur du fil. Du coup, on aurait un truc intéressant qui s'est passé en jaune, là, dans notre truc, si on s'arrête dessus. On peut analyser son bide. The right side of the body is more heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. Qu'est-ce qui a enflammé l'arbre? James, stop doing this. It wasn't just a fire. I'll find the cause and we're out of here. Faut que j'arrive à du coup. Putain, c'est puissant son machin là. Alors, il faut qu'on arrive à faire popper l'anomalie. Très bien, faisons popper l'anomalie. Hop. Ok, on est dans la zone de l'anomalie. Il y a un truc. The gel's flammable. It may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. James, don't fucking ignore me. Et c'est sacrément plus avancé qu'on a pu voir dans d'autres jeux d'enquête. Hein, leur... Ils se sont tapés un gros délire. On a des rayons X maintenant. Regardez à travers les murs ou les vêtements. Parfait. Ah oui, là il est figé en pleine pendaison quoi. Alors cet appareil permet de radiographier les objets. Maintenez clic droit et suivez les câbles pour trouver le générateur. Et ensuite visez-le en maintenant clic pour le scanner. Ok, parfait. On cherche les câbles. Well, I can see you're having a great time. Right. Pas convaincu de là où je vais là. Ouais non, c'est un cul-de-sac. Ah, il y a des trucs ici par contre. Okay. So he's interested in art. Doesn't seem to be too much he's not interested in. L'art en hommage à l'immortalité. Donc c'est le truc sur Central Park, en tout cas totalement gratuite. Blablabla, bla bla, des œuvres monumentales. Le mec est trop gentil. Un bon samaritain. He was there. That's his signature. And look what happened to him. La déclaration d'immortalité de États-Unis d'Amérique. What the fuck? Ah putain, la déclaration d'immortalité des États-Unis quoi. Nous tenons pour évidente par elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux.
Merde, j'ai raté, excusez-moi. Ils sont dotés de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent l'immortalité, la liberté et la recherche du bonheur. Une condition indispensable à l'exercice de ces droits est l'accès universel et égal à l'Icorite. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait resté comme ça. Si on a un casque de cosmonaute. Green sponsored it. When I was little, I wanted to be an astronaut. But after this disaster, Green shut down the whole program. Well, the first mission did crash. Yeah, during the landing, everything else went smooth as silk. You know, it had to be some kind of sabotage. You mix in political bullshit and poof, the whole program goes up in smoke. Très bien. Oh, le petit dossier confidentiel. He was clearly trying to get rid of those. Didn't make it. Or someone stopped him. Alors, lire. Alors, NIPD, New York Police Department Commander. Très bien. To Green Official as gov.ua. Cher Monsieur Green, conformément à votre demande, je vous envoie la liste de personnes que vous avez demandées. Toutes ont fait l'objet d'un scrutin approfondi, leur appartenance politique a été confirmée par plusieurs de mes collègues de la brigade anticorruption. Aucun d'eux, après inculpation, ne sera en mesure de faire appel pour quelque raison que ce soit. De même, aucune de leurs connexions politiques ne sera incriminée, ce qui réduit les risques. Que ne veut-nous faire? Tout est prêt. Waouh. Dans la liste à tout hasard. Très bien, c'est étrange. On peut le laisser, on peut le brûler. On va le laisser. Thanks. My blood pressure didn't need to get any higher. A view from Mount Olympus. Even though we're all immortal, only some of us live like gods. Pas de tourner ma tête, ok. Et salut Cars, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Et oui, c'est Nobody Wants to Die, un jeu de détective dans un futur un peu dystopique où l'humanité a atteint l'immortalité en développant une technologie pour se transférer dans d'autres corps. Sauf que c'est un peu parti en sucette et c'est devenu un privilège de puissant, on va dire. Et nous, on est un détective un petit peu foireux, visiblement. What you might call tobacco adjacent, or shit, maybe they are real. James, tell me you're not going to steal a cigar. Bien sûr qu'on va le prendre. Smoke it. Great. Now you can add thief to your CV. C'est bon, c'est un cigare. You never got remarried. What happened to the first wife? Refused Icorite. Died a natural death. Oui, la vache, il avait pris un sacré jeton à la tronche, hein, le pauvre. But wasn't that illegal? She would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died, and he fucked up our whole fucking society because of it? Far as I can tell. People's bullshit personal trauma is always what fucks up society. Eh oui, hein, il y a une loi qui t'empêche de refuser d'être immortel. Tu es obligé d'être immortel et comme c'est payant, tu es obligé de payer pour être immortel. Et si jamais tu ne peux pas payer, eh ben on te prend ton corps et on le vend aux enchères. Ça donne envie, non? J'ai vu qu'il y avait un truc aussi. Ok, on peut. Oula, ça m'a l'air sympathique, ça. I wonder if he hung women like that under his tree too. Some enjoy that. Ok, on a localisé une preuve intéressante. Alors là, ça zoom. Est-ce qu'il y a un truc? Ouais, voilà. C'est lui-même qui l'a peint. Did he paint this? He's had some time to learn. Il y a un petit vibe BioShock. Alors je connais pas Altered Carbon, mais oui, il y a carrément un vibe BioShock dans le style.
Et du coup, Zikino, je sais pas exactement quand est-ce que t'es parti, donc je ne saurais pas te dire ce que tu as raté, désolé. On est dans la mission, on a commencé un peu le tuto pour utiliser nos petits outils qui nous permettent de remonter dans le temps. Rien que ça. Pour essayer de chercher des preuves de ce qui s'est passé. Et merci pour le follow, Pascal. Bienvenue sur la chaîne officiellement. C'est très gentil. It must be open remotely. Maybe I can find something with X-ray. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Statut code non requis. Je suis pas sûr que ce soit le truc qu'on est censé faire tout de suite, mais... Open sesame. On a une lampe torche, parfait. On va quand même chercher ce qui a enflammé l'arme avant de se barrer trop loin. Juste regarder de l'autre côté ce qu'il y a. Ok, il avait une collection de vraies plantes. Guy has a fragrance museum in his home. Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy, sure. Pity we're all rolling around in sewage. James, is that chocolate? That's what it says here. Can I ask you to do something for me? What, you want me to steal evidence? I thought you had a stick up your ass about thievery. No. I mean, yes. Listen, could you describe the scent to me? Mais oui, mais allons-y, bien sûr. On va te décrire l'odeur du chocolat. Attends, il y a plus de chocolat, un monde où il y a plus de chocolat, quoi. Incroyable. De l'huile. De l'huile de vidange, mais plus doux. Parfait. C'est exactement ça. Why don't you try describing it in a way that doesn't sound gross? Give it a shot. L'huile de. Je m'attendais pas à ce qu'il parle d'huile de vidange, quoi. Un cigare du caoutchouc, une veste en cuir. Une veste en cuir. Leather jacket. You know those relic clothes from museums? Il est nul. Like that. Okay. Let's try this another way. Does it make you feel something when you smell it? Emotions? James, anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay. Look, that sample's probably over 100 years old. Food spoiled in the past. It could make you really sick. Alors, on va continuer. Il y a un peu de ça, effectivement, Carz. Alors, de la joie, okay. Tiens, voilà, motions. C'est ça. It's dark. Merci beaucoup d'être passé, Pascal. On fait très peu de FPS, donc tu devrais pas trop être perdu les prochaines fois. Joy, I guess. Mais celui-là, j'avoue que j'avais envie de le montrer, il a l'air vraiment sympathique. Leather jacket from a museum, and you feel joy in your heart? Exactly. Okay. Thank you very much. Let's get back to work. Cette description, quoi. Totalement normal. Ah, il a des biscuits, des champignons. Ok, très bien. C'est parfait. Ah, là, il y a un truc là. I've never understood this stuff. Yet it doesn't surprise me in the least that Green was into it. Ouais, je suis d'accord, il avait l'air un petit peu... See how much good he's done? He helps children. Orphans, supposedly. We can't know for certain. I mean, maybe he really did help them? Oh, sure. He helped them all sign up for the first body subscriptions. That they could never afford. Orphelinat de la Fondation Green. La Cars, le mec qui est mort est ici et il voulait qu'on récupère du coup l'Icorite qui était dans son cerveau pour pouvoir le réincarner, mais il semble que l'Icorite ait été fondu, ce qui n'est pas très normal. Donc déjà sa mort n'est pas très normale, et qu'il s'est pendu au dernier cerisier du monde en le faisant exploser. Enfin, il y a un truc douteux quand même. A real man of the people. At least that's what he wants you to see. Right. Total
bullshit. J'avoue, il a exactement le même sourire que sur la photo avec les deux meufs, quoi. Ça m'a l'air vraiment pas d'un mec très fréquentable. Et ici, du coup, on va aussi pouvoir rentrer. Il est cool, notre petit pirateur portable, hein. Et visiblement, on va pouvoir fouiller toute la maison si on le souhaite. Donc déjà, trouvons ce qui a enflammé l'arme, puisque c'est quand même le gros objectif qu'on nous a collé. Allez, c'est parti. Donc du coup, on avait réussi à prendre le mauvais chemin. On a pris le mauvais chemin, parfait. Bon tour. Pas le chemin qui monte. Ok, on a trouvé le panneau. J'adore le fait que la petite orientation elle a un sens. De pendre un cerisier, le meilleur moyen de se rater. Bah après, c'était pas un petit cerisier, hein. C'était le genre le papa de tous les cerisiers, quoi. C'est quoi ça? Bien visé. Alors, pourquoi t'as pris feu? Shit, my eyes. Smells like a fucking distillery. Someone set up the short circuit. Et qui a balancé du moonshine dessus. Et pourquoi ça sonne? I should have known better. I should have known you couldn't handle it. But it's just an incorrect pull, I thought. Surely Kara can't. Elle est cramée ton écorite, mec. Y a rien à extraire. There's no écorite to pull. Green's got oxidized. It's a homicide, and it's staring us in the face, like it or not. Now I can look into this, and it's not our. Oui, parce qu'on a figé le temps, on est remonté un petit peu dans le passé et on a figé le temps en fait pour notre enquête. Oui, car on a un matériel qui permet de faire ça. Pour ça que tout a l'air de voler. Alors, visiblement, on n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Donc là, vous voyez, on peut reconstruire le passé avec un petit truc, faut qu'on appuie sur clic gauche, clic droit et tout. Alors, maintenez barre d'espace pour accélérer le retour en arrière. Ok, là, ça va, on peut juste revenir un petit peu en arrière. Là. J'étais un peu trop loin, visiblement. Voilà, dans le jaune. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Et du coup, ça veut dire que je suis pas obligé de m'arrêter, genre je peux remonter vraiment. C'était long. Là, on a deux anomalies. Voyons celle-ci. Bien. Le truc que j'avais vu tout à l'heure. L'Ouroboros, magnifique.
It's starting to get interesting. Someone carved this date long ago. What's up with the snake? Check the encyclopedia. Et à chaque fois, en fait, on monte dans le temps, on a des nouveaux trucs. Genre ça, c'était encore là parce que ça n'a pas explosé. Murder, perhaps. C'est le djinn. Djinn synthétique à consommer avant juin 2579. Une méditation de Marcus Aurelius. Ouais. C'est pas trop le genre de bouquin que je m'attendais à trouver chez lui. Someone with the president? I recognize him. Wait, it's Green. Old shell? The first one. That's bullshit. Which does not change the fact that even before inventing the Icarite, he was a big shot in politics. 2025. Le mec, il aurait potentiellement 250 ans, quoi. Oh, un vélo. What the fuck is this? A bike. Or rather, a wheel off a bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle. But you had to push those things around and around with your feet to make it go. Ouch. Someone not only flooded the transformer, but also ripped out the cables. Quelqu'un qui a voulu faire exploser l'arme. Entrer dans la zone de l'anomalie et chercher d'autres traces. Est-ce qu'on peut continuer de se balader? Ouais, on est complètement libre. Hein. Excellent. And here he scores a few points. Points for what? This engine could push a car up past 120 miles per hour, running on gasoline, on the ground. You know, it's hard enough to imagine driving on the ground and all, but 120? No, I called bullshit on that one. Excellent. Oui, je sais, je... Laisse-moi profiter un peu. What do they need protection for? Replacing a whole body just because somebody gouged out your eye is... unprofitable, I guess? Not for him. C'est vrai qu'il pouvait se permettre de faire de l'escrime sans protection, hein. Il avait juste à se remettre dans un nouveau corps. Oh, une selle de cheval. Horses? No, Pegasi. Sarah, that's a horse. Pegasi are mythical creatures. Some paleontologist you are. These days, horses are mythical too. No, mythical animals are fictional. They never existed, whereas horses are extinct, like dinosaurs. Of course. Thanks for the lecture, Professor. Hey, you asked for it. James, end of topic. Let's move on. It's scary how little we know about the world before the Icarite. No wonder they don't teach this in school. It's gone. Ah, du sang. Voilà qui devient un petit peu plus concret. Someone tried to smash that glass before the explosion. Cracked it and left a handprint. Stop it, James. You've got to stop this. Hyper glauque. Donc ça c'est Green, hein. On est d'accord. On peut m'accroupir. Avancer, avance rapide, retour arrière. Non. Apparemment non. Et caps lock. Pas d'indice. Donc ça c'est le cerisier avant. C'était quand même un badass cerisier, quoi. On dirait qu'il y avait déjà de la fuite du machin. What's he doing? Oh, you're finally paying attention. Great. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own forehead? C'est hyper glauque de pouvoir faire ça, putain.
like a ball peen hammer. Oh merde. Hyper glauque. Alors là, il y a un truc. Is that Icarite? Creepy. Il a gardé l'Icarite de quelqu'un. Wait, is that Arthur Boyle? The man who invented Icarite? They knew each other? How old was Green? Older than Icarite. How fucked up is that? Dying in the process of transplanting your own invention. His body rejected it, right? Guess he drew the short straw. That's not what I heard. I heard it was human error during the procedure. Une erreur humaine ou le Green qui s'est débarrassé de lui. Et en fait, si ça se trouve, on pourrait réinjecter ça dans un corps et il y aurait le mec dedans. Pas sûr que le Doliprane suffise. Oui, là, j'avoue, le Doliprane, c'est un peu léger. C'est que cette clé là. I always wondered what the fucking point was. Il y a toujours les documents disponibles. Non, on peut plus interagir avec. J'aurais peut-être dû les brûler en fait. Ou en parler à notre chef bien-aimé. Alors, est-ce qu'il y a des traces antérieures à l'explosion ? Mais je peux le reconstruire encore un peu plus. Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was. Il avait une bouteille. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Dis-moi les traces de pas. Already. What's done is done. No point in picking at it. Wait. We're not going to work like this. There's got to be at least a baseline of trust here. Yeah, well, that's all well and good, except we're running out of time to figure out how the tree got set on fire. So, come on, chop chop. Oula. Shit. What happened? The fuse is just blew. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment, and pop, blown fuses. C'est con. Here you go. So I don't have to do everything myself after all, huh? Les trucs, ça allait exploser, quoi. Man can get used to this. I just shifted power from three different neighborhoods so you can keep playing detective. Trois quartiers. Make me regret it. La vache. Trois quartiers complets, quoi. Excusez-moi. Something went off here. C'est pas du tout glauque de le faire bouger et tout, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, une montre? Probably some kind of relic. Au meilleur des amis, bon vent à jamais. To the best of friends, always auspicious winds, Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad head off this thing. I wonder which one's the best friend now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Cadeau de Green, ouais, j'avoue. Let's see what the patient has to say. Faut qu'on remonte dans le temps un bon coup là. Là. Ok, on retourne à ce moment-là du coup. Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself as he jumped. Maybe. L'instinct. Learn fast. L'instinct sur la chemise à l'arrière qui correspond à son corps. Il y a aussi des traces à l'instant du souffle. Alors du coup, faut les deux clics, ensuite là, là et là. Je monte.
donc faut que je recule un peu dans le temps. He fell from there. If he cut himself on the railing, there should be blood on it. Par contre, il y a des traces de sang, des magnifiques traces de pas qui s'en vont. Simulation. Alors là, il laisse sa blessure. Ah, elle est en haut, l'anomalie. Autant pour moi. Ah, là, il y a une trace de mort. Blood. I'll come back to that later. Si tu veux. Someone must have pushed him. Ah. C'est excellent de le voir remonter vers nous, quoi. Ils ont réussi un truc hyper creepy, honnêtement. Je sais pas du tout si ça ressemblait à ça, Altered Carbon, ou s'ils sont vraiment innovés, mais en tout cas, c'est hyper creepy. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. Mec, tu me fais peur. Ok, donc. Il était en train d'avancer le long de la rambarde, mais il a pas de sang sur les mains. Potentiellement, c'est pas lui. It came from this side. Bay? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. Mort d'Aban, le pauvre. We don't have enough information to find the other one. How do you think this went down? Je pense qu'il a été forcé, il avait l'air d'être quand même encore en vie. Green gave up after the fight and did whatever the perpetrator told him to. I'm thinking he put the rope around his own neck and then destroyed his own Icarite. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed him. Eh ouais, il dabait un magnifique 15. C'est vrai que c'est quand même ballot. Wait, there's a blood trail here. Must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? Toujours. Don't leave home without it. Bien sûr, on a une lampe UV. Alors, la lampe UV fait apparaître des traces sur les surfaces. Ok, suivez les traces pour trouver d'autres pistes. Putain, la vache, la lampe UV de compète, quoi. Groupe sanguin BRHA+. Non, je pouvais pas le reconstruire dans le décor. Non. Salut. He's walking up these stairs. Unusual shape. Like he was lying here. Essayer de se protéger. He's talking to someone. Or like he's begging for mercy. Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Thank you.
s'était pas pendu, il aurait probablement crevé de. Well, look at that. De saignement. Tracks connect. Incroyable. La surprise est totale. Hyper malin sur ce coup-là, James. Putain, ça fait flipper le mec qui arrive là. Ok, donc on lui a fracassé le crâne. Et après, on l'a fait monter là-haut. Là, il s'est arrêté pour supplier. On lui a dit, t'inquiète, tu vas te suicider, mec. Et il l'a fait. C'était mérité. Je pense que c'était mérité. Tu mérites ce qu'il a. Je le fais. Et ce n'était pas suffisant. Shit. Sounds like you hated his guts. Oh, please. Okay, he's got something on his clothes. Some kind of chemical? Huh. The reconstructor's coming up goose eggs on its composition. Must be rare as shit, then. Du vomi. Sacrément rare, le vomi. Enfin, c'est hyper particulier hein, de franchement d'analyser une scène de crime comme ça. Oh, bordel. It stretches across the floor. I'll switch to UV. The tracks lead this way. Rummaging around the transformer? Il était beurré en train de faire de la merde et celui qui a foutu le feu à sa maison. Ça. Il a fait griller le transformateur. Cables are torn out, same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Spiritueux de synthèse et huile cire de cafard. Intéressant. I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? You're repeating yourself. C'est vrai que même avec notre super technologie, tout ce qu'on trouve, c'est qu'il a visiblement tout fait lui-même. Hein. There's something here. James? I've lost visual. Il a coupé le visuel. Oula. Oula. Oula, 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 oula. Elle aussi, elle est morte naturellement. Mentir. Honestly, you don't want to know. Whatever. The feds are on their way there, so consider this a heads up. If they find you, I don't fucking know you. Are you? You're serious? We've been friends for fucking decades, and you're gonna hang me out to dry? How's the situation? They're coming. Time to clean up. Sarah, if we're gonna keep working together, you're gonna have to promise me something. What? I've been honest with you from the beginning, and I need you to never do anything behind my back again. We clear? James. Okay,
As long as you keep being honest with me, I've got your back. Okay? From here on out. Then we've got a deal. Yes. Now, come on, move before they bust us. Visez le reconstructeur pour nettoyer ou non la scène de crime. C'est dommage, du coup, on n'a pas pu fouiller plus sa maison, mais bon, visiblement, il faut qu'on s'arrache. Donc, on va s'arracher. Ah oui, on peut ramener la scène du crime tout au départ, du coup. Parfait, on s'arrache. On t'arrache. I leave the body of a dead god on the flaming Mount Olympus. Time to go back to the underworld he cast us all into. Le mec qui était aimé, quoi. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but trouble and heartache. And even worse. Ah, c'est ça, c'est ça dessine des ombres en fait. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me. The second time I've seen Icarite completely melted. Just when I got a little better at forgetting the first one. Ah, quelqu'un aurait fait fondre l'icorite de sa moitié, potentiellement. C'est marrant vu que juste tout à l'heure j'ai sorti la découverte de Space Prison où justement on est dans une prison où on nous empêche de mourir en transformant notre conscience pour qu'on termine notre peine. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter le premier épisode de VOD là, ça fait un petit épisode d'une heure et quart, c'est plutôt pas mal pour une découverte. Vous pouvez dire au revoir à la VOD si vous voulez. Dans le chat, je bois un coup parce qu'il fait un peu chaud. Je vais voir si on fait la suite, puisque Deep Silver nous a conseillé d'arrêter là si on voulait pas trop spoiler. Mais on est libre de continuer si on a envie de continuer. J'espère donc que ça vous a plu, et on se dit à très vite pour la suite.